Du coup, ce soir, les amis, on va procéder à la suite de A Plague Tale Requiem, les amis. Donc, on est au chapitre 7. On est actuellement au chapitre 7. Donc, on attaquait normalement le chapitre. Si je ne me trompe pas. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Et salut, Matt! Bienvenue à toi sur le live. Comment tu vas, mon petit Matt? Allez, on va voir un petit peu ce que nous réserve le chapitre 7. Je rappelle qu'il y a en tout 17 chapitres et qu'un chapitre fait à peu près entre 40 et 50 minutes. Sauf si je galère, mais en général, voilà. Donc il nous reste, on va dire globalement, une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'heures de jeu. Ça va bien toi? Ben, ça va nickel. Quoi de neuf, les gars? You big! B, voilà. T'es réveillé. Quoi de neuf? Rien. Trouvé. Non. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Non. Amicia. Okay. Et ça va très bien les gars. Et quoi de neuf? Bah, pas grand chose. Aujourd'hui j'ai taffé. J'ai charbonné de ouf le TikTok de la team. J'ai remotivé un petit peu aussi sur la chaîne YouTube. J'ai posté plein de TikTok et tout. Enfin, il y a pas mal de choses quoi. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive mon big? Je vois. Plus très loin, je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes! Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, là. Bon, t'es raccommodé. Les stables blessures à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les D'accord, Big. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir? Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. D'accord, Big. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués. Où on filait. C'est quand que tu vas te le faire percer ton abcès, Big? Tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie jusqu'à ce qu'on y soit. Oui, j'arrive. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Pas simple, mon bien, big. Je sens les chevaux et... Oh, Seigneur, c'est moi, ça? Non, ça sent les algues. Allez,
faut qu'on parle. Pas maintenant. La mer est juste là. Hugo, c'est important. Oh, Hugo. Donne-moi tout ton or. J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves. Jamais. Pour tout le reste. Hugo, reviens. J'ai pas envie de jouer. Je ne parle pas au poulet. C'est si dur pour toi d'être agréable. Du coup, t'as pas dormi de la nuit, là? Non, Big. Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Amicia, on est là. Hugo, tu ne m'as pas répondu. Y'a pas de bateau. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait, encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut. Saute, je te rattrape. Wow. Hey, attention. Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hey, regardez en bas. Eh ben, arrêtez. Pourquoi t'es pas allé aux urgences, Big? C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Ouah, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez! Chargez! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh, on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Hé, hey, vous m'avez vu charger? Oui, et ne reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour... Bah, c'est dégueulasse, Bill. On verra. Tu vas me faire dégueuler. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Oh. Hey, regarde ça. Bah ben ouais, Big, hein. Fais. Une mouette? Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. On appelle ça des mouettes rieuses ici. Quoi? Tu vois, t'en deviens une toi aussi. Viens. Eh ben. On s'en va. On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Je vais t'aider, Amicia. Tu peux faire ça? Pas sûr. Je suis tellement faible. Cote bien. Continuez. Pardon. Quoi? Recule. Non, chien. Oh, merde. Merde. Ils t'aiment bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui. Vous êtes malade, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Doucement, d'accord? Oui. Donc ils t'obéissent vraiment? Comment tu fais ça? D'où ça vient? Chut.
qui, alors? Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Ouais, compliqué, mon big. Sans vouloir vexer, petit gars. Donc tes contrebandiers sont par là? Ouais, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Oh oh! Quoi? Ils sont des millions! T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Hé! C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Allez, hop. Demain, je vais live allongé, mercredi aussi du coup. Donc heureusement que c'est des jeux d'histoire. Ouais, j'avoue. Après, si ça va pas, tu me le dis et moi, mercredi, je live. Bon, regarde, les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant... Ce sera utile. Ce petit bâton... Suis-moi, point. Ouais, mais bon, si tu dors pas, Big, vaut mieux que je live que toi tu live. Parce que si tu dors pas et qu'après, bah tu. Tu sais, t'es en mode où tu parles pas sur le live, rien, c'est pas mieux non plus, tu vois. Donc tu me tiens au jus, si ça va pas, je live, je m'en branle, moi. Tu sais, je live le soir, moi ça me convient. Hein. Oui, t'inquiète, ça devrait le faire. Au pire, j'essaierai de dormir un peu l'après-midi, mais sinon ça devrait aller. Bah ouais. Tu es sûr de toi? Écoute, tiens-moi au jus, hein, Big. La lumière du chariot nous protégera. Je suis pas prêt à ça. Cette odeur. C'est quoi cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça avec les choses qui les attrapent. Comme des gens. Bon sang. Que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à la Kuna. On te soignera. C'est de la folie. Bon sang. Ça fait quelle taille, ça? Ok, ok. Ça pourrait être géant. Par ici, je pense. Attention. Et là sur le TikTok de la team là, j'ai réussi à faire à sortir un TikTok toutes les heures. J'ai besoin de vous ici. Bon, très bien.
Cynthia, regarde, les cristaux jaunes de l'épisanguis. Tu as raison, elle est revenue. Arnaud. Ah, enfin. Ces cristaux jaunes près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Ok. J'ai reçu toutes les notifs de TikTok. Bah ouais, j'essaye de le rendre vivant le TikTok, tu vois. Là, j'ai reprogrammé des TikTok jusqu'à demain 11h. Là, je pouvais plus programmer. Donc jusqu'à demain 11h, il y a des TikTok qui sortent. Tu dois faire quoi là? Moi j'ai toujours rien. De quoi t'as toujours rien, Big? Bah arrête de marcher à deux à l'heure là. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'eau d'oris. Je dois aller où? Je sais même pas ce que je dois faire. C'était pas ça. Monte, vite. C'est compris. Ah, attends, ça y est, j'ai compris. Salut Nad. Si tu m'as dit c'est une... Ah non, que dalle hein. Allez, grimpe. Entendu. Mais je comprends pas ce qu'il faut que je fasse là. D'accord.
un puzzle. C'est du sang, les restes de leur proie. Le tram, j'ai attendu 10 minutes et là j'attends une chute pour avoir le bus pour rentrer chez moi. Il de bus encore, ok. Et non, zéro news d'Onic, Big, hein, zéro, hein, rien du tout, nada. Hein. Oui, content d'être en vie. J'ai été de toutes les batailles. J'ai fait la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau en bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon. Il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez. J'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. Ah, je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas. On y va. On va y arriver. Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas non plus, Big. Écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête. Écoute. Regardez-moi, c'est là, je retourne dans leur cou. Tu sais, j'ai pas de nouvelles des cartes non plus depuis samedi. Depuis qu'il m'a pris la tête dans le groupe, donc tu sais, pourquoi je me prends pas la tête. Je fais les lives, je m'occupe de TikTok, je fais ma life et puis basta. Hein. Et de toute façon, si fin de semaine, Onik il a pas donné de nouvelles, et eh ben écoute, au revoir de la Fatalis, hein, je vais pas batailler 107 ans. Hein. Ça sert à rien. On touche à but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Allez, ça c'est fait. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. Saute! Allez, je m'en charge. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je vais pas me prendre la tête, hein, tu sais. Non, mais moi je vais pas me prendre la tête, hein, Big. Alors là, loin de là. Hein. Voyons ce qu'on peut faire. J'ai assez donné. J'ai autre chose à penser que de me prendre la tête pour des conneries comme ça. Hein. Je veux dire honnêtement. C'est la grosse épave? Oui, on y est prêt. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia, le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Respire. Dis-moi, ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, le sainte? Oh que non. Vas-y, Big. À toutes. Tripote-toi bien la nouille. Ah, ça s'éteint. Oh non, ça s'éteint. Oh merde. Reste concentré. Thank you.
Ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la maison. Oh, mais débrouille-toi, débrouille-toi. C'est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Allez, allez, on va y arriver. Ah bon bah là on y boire. Ah cool, on revient de là déjà. Ouais merde. Putain, j'y arrive pas. Je n'y arriverai pas. Alors attendez. Putain, c'est que ça devient compliqué là. Il est grand ce bateau. Hey, t'as trouvé des traces de pas? Rien. Pas vraiment, il y a encore quelqu'un, mais qui sera? Cachez-vous. Les soldats. Regarde autour de toi. Cet endroit est un foutu labyrinthe. Écoute, si on ramène un ou deux contrebandiers morts, le comte nous récompensera. Oui, des soldats. Je m'occupe d'eux. Oh, bien sûr, quand j'arrive, le bordel. Putain, c'est impossible, frère, par là. Thank you.
Mais... On va y arriver, on va y arriver. Ben ouais, mais frérot, comment tu veux que je fasse? Y a pas de solution, frère. Mais non, allez, putain. Putain, c'est pas vrai. Oh, mais je reprends de là en plus. Mais ouais, mais... Putain, mais je suis trop con, moi aussi. Je passe là où il y a tous les rats. Et... Allez, on va y arriver, on va y arriver. Oh, mais esquiver les rats. C'est bon, j'ai réussi. Wouhou. Je sais.
Oh merde. Putain. C'est censé attirer tous les rats, frère. Passage où théoriquement lui il passe pas, frérot. De l'eau? La cachette est tout au fond. Non, non, j'ai peur des vagues. Oh, allez, c'est rien que de l'eau de mer. Regarde, elle a raison. Mais Hugo, c'est s'il te plaît, je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues. On est presque arrivé. On peut en discuter après. Ah, commence pas, toi non plus. D'accord. Un gros tous les matins. Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi. Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Le bus vient juste d'arriver, il part dans 6 minutes. Ok. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Je suis au bout, c'est trop long, je m'entraîne. Bah t'as qu'à arrêter de faire du foot et faire autre chose, hein. Un truc qui est plus près, hein. J'imagine qu'il est 22h, t'es toujours pas chez toi. Bon. Merci Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Eh oui. Je bug ou quoi? Ah oui. Au risque de te déplacer. C'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio. On doit aller à Lacuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait,
Les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoins. Ok. D'accord. Venez. Alors, c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Oh ! Il pleut très fort ! Oui, un orage de chaleur sûrement. Vous voyez cette lumière ? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps ? Non. Reste là. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et alors? Je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Commande et j'exécute. Seigneur. Ok, ok. C'est toi ou moi. Putain, j'ai un Pokémon, frère. Bien joué. Il est à toi, Arno. Désolé. J'ai un Pokémon, frérot. Un truc à bouger. Qui est mort ? Mais c'est quoi ce délire, putain? J'ai mon Pokémon, il combat là. Attends.
Salut Yoshi, comment tu vas? Ouais, t'as quoi, tu réussis bonne? Moi, ça va en ce moment, là, ça va. Elle est pas ouf, mais elle est assez stable, donc ça va. J'ai à peu près 20 de débit de live, etc. Donc ça va, je peux live. C'est pas dingue, mais ça va. On va dire que je me contente de ça, quoi. Bien, toi, demain j'attaque le rendu. Deux animations, c'est plutôt cool. Ah, ben nice! T'as, moi, c'est pareil. J'ai charbonné au taquet là. J'ai fait toute la journée. J'ai réussi à programmer toute la journée un short par heure sur TikTok. Là, sur la chaîne YouTube, du coup, j'ai programmé des shorts pour de ce soir, je crois, 20h jusqu'à minuit. Et demain pareil, 20h jusqu'à minuit, la chaîne, le TikTok de la Fatalis, donc le TikTok de la team, j'ai programmé donc toute la journée, j'ai programmé demain jusqu'à 11h, donc toute la nuit jusqu'à demain, il y a des TikTok qui sortent toutes les heures, jusqu'à demain 11h, parce que je pouvais plus uploader avec le PC, donc je ferai demain avec le tel. J'ai charbonné aujourd'hui. Moi, je vais charbonner les vidéos pendant ces vacances, j'en sortirai une par semaine. Ah, cool. Quoi comme vidéo, Matt? D'ailleurs, Matt, maintenant, sur le Discord, il y a un canal pub. Hein. Si vous voulez l'utiliser, faites-le. Allez, Matt. Ben ça y est, normalement, à la fin du attends, je suis venu là pour rien. À la fin du TikTok, enfin du short, etc. Normalement, t'as le nom qui du TikTok et sur la vidéo, t'as le nom qui apparaît. Donc le crédit, il est déjà fait. Ok. Ah oui, mais ça c'est parce que c'est les deux premiers ou trois premiers que j'avais posté, j'avais enlevé le truc à la fin et puis à la fin je les ai remis. Donc les prochains, il y aura Yoshi. Thank you.
Ouais, mais là c'est du short, hein, Osef, un peu de l'accréditation. Moi j'aime bien, j'ai un Pokémon. Bon, de toute façon, tu auras pas de problème non plus, hein. Ok. Bon, pour l'instant, ça va, on avance tranquillement. Les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Là, tu vas voir les TikTok. Enfin, toi, t'es pas. Je sais pas si tu l'as, le TikTok de la Fatalis. Tu vas voir demain, là, et toute la nuit, là, ce qui va sortir. Tu vas bégayer demain. C'est l'ancien TikTok des cartes. Celui de la Fatalis, il s'appelle Fatalis Corp. Je sais pas si tu l'as. Tout va bien ? Non. On se connaît à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà sortis. Ça fait partie du code. Non. Ça va arriver. Soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer. Mais tu finiras par vouloir me tuer, toi aussi. À minuit. Tu vas avoir le premier à minuit, Yoshi, qui sort. Tu vas bégayer. Parce que c'est pas les mêmes qui sortent sur YouTube et sur TikTok. Enfin, sur TikTok, il y a du contenu qu'il n'y aura pas sur YouTube. Sur YouTube, je vais mettre que les animations, les trucs. Enfin, les trucs de. D'animé, etc. Tu vois. T'inquiète, on va vite, c'est bon. Il était déjà beau. Bah oui, c'était le TikTok à Eckhart. Là, ça, je suis content. On avait perdu des abonnés, là, entre hier et aujourd'hui. Et j'ai réussi à, avec tous les shorts que j'ai sortis aujourd'hui. J'ai réussi à les regagner et tout, donc ça fait plaisir. Maintenant, il reste plus qu'à continuer d'en prendre. Ah, il nous manque moins de 1000 abos pour atteindre les 10K. J'espère qu'on va les atteindre, tu vois. Alors, voilà la rascasse, c'est ça ? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée. Arnaud ? Où est Hugo ? Je suis là. C'est incroyable ! Mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui, à la cabine. Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers la Kuna. C'est la manivelle à la poupe. M'en charge. Oui,
fait pour ancrer. Ben, je bouge pas là. Ah oui, d'accord. T'es à combien d'abos toi du coup sur ton TikTok? Sur mon perso, je suis presque à 1000 là. Mais je vais faire du contenu différent de celui de la Fataliste du coup. Ça me fait rire, le short tough que t'as sorti. Dagotaya s'y donne de one shot le mob de difficulté 1 de l'opération alors qu'il a tous ses persos 6 étoiles. Quasiment 70 abos. Peut-être t'as pas plus. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. Putain, il me semblait. C'est bien, alors, tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. Ah, je pensais que t'avais plus que ça, moi, Yoshi. Ou alors c'est sur YouTube, je confonds avec YouTube peut-être. Ouais, c'est ça, c'est confondu avec YouTube. Ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui, va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. Faut que j'aille où, le ponton tribord? C'est où ça? Pas où c'est là. Ah, ça doit être là. Hey, l'ancre est de l'autre côté du bateau, Amicia. Putain, mais je comprends rien. Mais putain, elle me casse les couilles, elle. Je vais sur l'autre ponton, elle me dit pas celui-là, l'autre. Oh ben, c'est Gotha, les OP, frérot.
Gotha, ils ont les OP hein, sur Tower of Fantasy. Hein. Donc là où toi tu payes, eux ils ont gratuit. D'ailleurs tu le vois, c'est pareil, hein. Il joue à Genshin que quand il a les OP. Salut Smoothie. Oui. Allez, du coup, fin de l'épisode, les amis.